Ouais, il y avait ce petit paquet là et on prend tout. Inventaire plein. Quoi? Il faut que je... Elle se stack pas. Elle se stack pas. Mais quelle... De merde. Ah, c'est naze. Ça se stack pas. Bah là, en fait, j'en avais encore un de pissenlit. Tant pis. Eh ben c'est tout ce qu'on prendra du coup. Ça se stack pas. C'est nul. Ouais, je m'en fous de ton puceron. Bon, et là on espère pouvoir remonter par la branche, sinon faut taper 30 000 araignées. Voilà. Donc on espère grandement pouvoir remonter par là. Non, 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 ils vont pas me faire ça quand même. Ouah, ça passe. C'est bon. On peut remonter. Du coup, ça nous fait quand même un petit coin de farming pour les œufs assez sympathique, assez facile d'accès si on passe pas par les araignées, qu'on passe pas par les scarabées bruts. Scarabée bœuf. Bah ça fait un coin de farming des œufs assez facile, j'ai envie de dire. Et là on remonte. Et on est tranquille. Non, ça va, c'est sympa. On a un bon spot d'œuf. Ouais, t'es fatigué. Hop. Ok, du coup, on rentre à la maison. On fait des bombes. On récupère tout ce qu'il faut pour le cocktail d'agrandissement. On finit le jeu. On rentre chez nous. Happy end. Tout le monde y est content. Et on va dormir. C'est un beau programme, non? Moi, j'aime bien ce programme. Manger, non? Ah ouais, manger. Manger, j'avoue, c'est pas une mauvaise idée aussi. Du coup, on mange et ensuite, on va se coucher. Ouais. Effectivement, manger, c'est bon plan. Falloir que je répare mon stuff aussi. Ok, faut juste qu'on retourne sur le bord, on prend la tyrolienne. J'ai tellement bien fait de la faire, là, cette tyrolienne, parce que vous imaginez faire tout le tour à chaque fois? Nope. C'est pas possible. Clairement pas possible de faire tout le tour à chaque fois. Ce serait tellement long. Hop, on repère les fleurs. Hein. Elle est au niveau des fleurs, ma tyrolienne. Ce qui est un bon point de repère. Ah, on n'a plus besoin de la torche. Hein. On y voit très bien. La lune nous éclaire parfaitement. Pas besoin de torche. Ah, lui, il nous ouvre, il suit toujours. Hein. Et en plus, il nous fait la conversation. Ah non, je l'aurais bien pris, mais j'ai plus de place. Maison! Tu suis Wendell ou tu suis pas là-bas? Oula! Ah, il se téléporte!
Il se téléporte totalement, c'est de la triche. Il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce que je me téléporte, moi? Il cheat. Mais carrément qu'il cheat. Tyrolienne, ça va trop vite pour lui, alors il se téléporte. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Toujours devant chez moi, faut toujours qu'elle vienne m'embêter. Hein. J'ai pas le temps de la tuer. J'ai pas envie non plus. Elle est où? L'araignée est où là? Maison! Hop. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Non, Wendell, tu rentres pas, t'as pas le droit. Alors! Les bombes, c'est dans quoi les bombes? Je sais plus. C'est dans les armes, non? Ouais. Allez, fais-moi 4 direct. Pour en faire que 4, bah écoutez, on en fera que 4. Ok, tout le reste, on va un petit peu tout poser. Par contre, on va peut-être réparer un peu tout le stuff, ça fera pas de mal, hein. On retire ses chaussures quand on rentre chez quelqu'un. Bah lui il rentre pas. Et il a pas de chaussures. Et moi, moi je les garde mes chaussures. Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est chez moi. Je fais ce que je veux. La rapia, j'ai pas besoin de la réparer. Les bombes, on est bon, on a 4. Du coup, il me faut tous les ingrédients du cocktail. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? En vrai, une question. Ah, mais j'en ai 4 de pommes de pin. Il en fallait combien pour le stockage frigo, là? Ah, il en faut 5. Il m'en manque une. Une pomme de pin, quoi. D'ailleurs, où est-ce qu'on va le mettre, ce truc? Du coup, il faut le mettre dans la cuisine, mais j'avais pas du tout prévu de rajouter quelque chose. Je pensais pas que je rajouterais un truc dans ma cuisine. Faut peut-être mettre... Je viens de la pouille. Oh, tristesse. Et lui, on le met là? Moi, je sais pas encore. On peut lui faire une niche. C'est pas un chien, voyons. Il me fallait quoi pour faire le cocktail? C'est là-dedans. Ok, le chewing-gum. 5, j'ai tout pile ce qu'il faut. Ça, c'est bon. Wendell, pousse-toi, t'es devant mon coffre. Là, y a rien. Alors, on va poser ça. Le cuir de baie. Est-ce que j'ai encore du cuir de baie? C'est les champignons. Est-ce que j'ai encore du cuir de baie ou est-ce qu'il faut que j'en refasse? C'est le bordel dans mes coffres, hein, c'est terrible. Faudrait ranger un peu. Cuir de baie, il m'en reste qu'un. Va falloir que j'en refasse. Les ongles, ils sont là. Et il me fallait quoi d'autre? Les écailles de carpecoy. Ça, c'est peut-être là-dedans, en fait. Peut-être plus par là. Les écailles. Il manque un ongle d'orteil. Oh merde! Va falloir aller chercher. J'espère que ça repop. J'espère que dans le cendrier, ça repop les... Ah bah si tout a l'air d'être en ordre, bah alors tout va bien. Ok, du coup faut attendre que le cuir de baie il sèche. Bah il se passe quoi. Ça en pose.
Et ça, on pose. Je pose ça n'importe où. C'est terrible, faut pas faire ça. Et du coup, il me manque un ongle d'orteil. On va aller voir à le récupérer en passant. Mais oh, ça m'embête, faut attendre que. Ah, oh, tant pis, j'en ai beaucoup de la baie. Je peux le faire sans. Normalement, je peux le faire sans le faire sécher. Hein. Ça demande 3 baies au lieu de une, mais je crois qu'on peut le faire. Il en faut combien? Il m'en faut 4. Ah, ça va, j'en ai. 2. Il s'est fait le 2. En fait, 3. 4. Et 5. Ouais, parce que sinon, on va attendre 2 heures. C'est long quand même à sécher. Konnichiwa! Hey! Coucou, Haruka Magique, comment ça va? Et Shohan, comment ça va? Bonjour tout le monde. Par contre, en termes de soins, tout ça, j'ai plus rien. Autant se rééquiper aussi un petit peu pendant qu'on est là. Ouais, il me reste juste ça. Voilà, c'est terrible. Ah ben on verra bien si on se fait agresser, on se fait agresser, on se fait tuer et puis voilà. Ok, let's go. Du coup, faut retourner sur la table là où il y avait les ongles d'orteil, voir si on en a encore. C'est pas par là qu'il faut passer. En espérant que ça repop. Parce qu'il m'en manquait un. Donc j'espère sincèrement que ça repop. Sinon, je sais pas où est-ce qu'on a le dernier ongle d'orteil. Ouais, on n'y voit rien du tout dans ma tour et je suis en train de redescendre. Ouais, qu'un jour je mette de la lumière, tout ça, ça serait bien. Enfin, bref. Moi, j'ai envie de dire, à votre avis, est-ce que là on fait le cocktail et c'est bon, c'est la fin du jeu? Ou est-ce qu'il va y avoir un problème et qu'on va en avoir encore pour 3 ans de jeu? Salut les Lucioles! Parce que techniquement, cocktail agrandissant, c'est fini quoi, une fois qu'on récupère notre taille, fin du jeu. Non, pas encore fini, désolé, sa fille. Ah, on spoil pas, attention! Ouais. J'espère pour toi que c'est pas du spoil. Mais qui c'est qui m'agresse? Oh, c'est le scarabée boeuf. Pour une fois, je l'ai appelé correctement! Qui est trop contente d'avoir donné le bon nom du scarabée, quoi. Sinon, je peux juste dire scarabée, hein, ça passe aussi. Le jeu est fini. Oui, alerte spoil. Oh, alerte spoil! Alerte spoil! Il est où le vélo? Un peu de lumière, ça serait bien. Aïe! Pourquoi on me tape? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Par contre, hop. On va reprendre un petit peu d'eau sur la route. Mais il est où ce vélo? Ah non, et là c'est bon, les larves, lâche-moi la grappe. Hein. Ou les larves, on les connaît. Super chiantes. Et là le vélo. Non mais tous, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. C'est bon, je vais juste chercher des ongles d'orteil. Et sauf que ça, c'est l'eau du vélo. Moi, je veux le bas du vélo. Bah. Fourmi ouvrière orque. Fourmi ouvrière de feu orque. Ah
mais il y en a plusieurs. Attendez, c'est le Wendell là qui balance les... Mince, je les ai pas analysés. C'est le Wendell qui balance les trucs... les boules électriques là, qui les stun. C'est incroyable. Wendell Tech. Mais non, mais on se fait beaucoup trop agresser ici. Ah, mais c'est encore une avec la lumière sur la tête. Attends, je peux t'analyser. J'ai le droit de t'analyser. D'accord. Ok. Par contre, fourmi orque de feu, ça devient le Mordor, là. Non, c'est une fourmi de feu orque. Et orque, c'est une abréviation, parce que c'est ORC. Par contre, c'est l'abréviation de quoi ? ORC, c'est quoi le nom complet ? Mais elle avait un truc sur la tête, non ? Elle faisait une lumière rouge sur sa tête. Je suis pas sûre que ce soit normal d'avoir des lumières rouges sur la tête. Mais il me faut un pissenlit pour y aller ! J'ai pas de pissenlit ! Il me faut un pissenlit. Bah oui, c'est intéressant d'avoir un pissenlit. Merci, Wendell. Merci beaucoup pour tes commentaires, Wendell. C'est très utile. Eh oui, j'ai pas de pissenlit. Y'a pas un pissenlit dans le coin. C'est moi ou y'a pas de pissenlit? Là-bas, y'a un pissenlit. Je peux pas sauter sur le... Oh, on se calme derrière. On se calme. Je sais pas ce que c'est qui m'agresse, mais... On se calme. Je peux pas monter sur la chaise sans pissenlit. Mais non, pas avec la masse. J'ai équipé... Équipe le lâche, voyons. Pissenlit, là-bas. Ouh, deux pissenlits. Je prends, merci. Donc Wendell, c'est Gollum. Oh. Oh. Ouais, je trace. C'est mort, hein. C'est bon. Je sais pas que ça a à faire, moi, que de tuer toutes les araignées qui traînent dans ce jardin. Il y a un moment, je veux rentrer chez moi, moi. Wendell, je sais pas ce que tu fais, mais viens. On va chercher des ongles de pied. Allez, viens, Wendell. Par contre, on est d'accord que je vais m'en servir là des ingrédients, parce que si je ramène tous les ingrédients pour rien, ça me plairait moyen. Oh mais Wendell... Wendell, je suis désolée, c'est un pauvre type. C'est... Sa vie est triste. Sa vie est vachement triste, hein. C'est vraiment un mec qui s'est concentré sur la science, qui s'est concentré sur son projet, et voilà comment il a fini, quoi. Une tête dans un bocal. Sa femme et ses enfants sont tirés. Ses recherches sont pratiquement plus à lui, vu qu'apparemment l'autre lui a quand même un peu piqué ses recherches. Il était en train de se planquer dans son labo. C'est...
C'est hard en fait la vie qu'il a lui. Ouais, j'équipe le pissenlit parce que si j'oublie encore, on va tomber de façon très violente. Ouais, que je récupère ce bonbon un jour aussi, mais trop de fourmis. C'est abusé le nombre de fourmis qu'il y a ici. Non, laissez-moi passer! Poussez-vous! J'arrive pas à monter. Trop de fourmis! Trop! Trop de fourmis, tue la fourmi. Vas-y, suis-moi si tu peux. Suis-moi si tu l'oses! Ah, tu viens pas! Hein? Ouais, sale bête. Dites-moi qu'il y a des ongles. Ouais, il y a des ongles. Ok, c'est good. Bah oui, il y en a quatre. Eh, je veux pas dire, mais il y a que la technique. Je crois qu'on peut. Enfin, du moins, j'ai pas trouvé d'autres endroits où on pouvait récupérer des ongles. Du coup, on peut les récupérer que 4 par 4 à chaque fois qu'ils repop. C'est terrible. Parce qu'il y a je sais plus quoi qu'on peut faire en ongles, avec des ongles. C'est une épée, je crois. Mais du coup, pour arriver à la faire, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup d'ongles. Si on en récupère que 4 par 4, vous voulez je sais pas combien de temps. C'est la misère. Ok, on redescend. Ouais, c'est bien de planer. Hein. Bon, par contre, faut faire gaffe parce que mon truc il va péter. Ça va casser! 4 sur 5 doigts. Bah, techniquement, en fait, t'en as 10. Donc, il se coupe les pieds que d'un seul pied et seulement 4 orteils sur les 5. Ou alors, les autres ongles sont partis voler je ne sais où. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, on a compris les fourmis, on a compris. Ouais, il est dans son bocal, mais on suppose, disons que ses ongles, c'était, ils sont là depuis très longtemps, quoi. Depuis avant qu'il arrête Ré6. Après, parce que ça repop, parce qu'il faut bien que le jeu ça repop. Parce que sinon, on est bloqué. Et ça repop pas. Mais techniquement, on récupère qu'une fois, quoi. Donc leur pop, c'est pas très. C'est pas très scénario. Voilà. Ok, on a les bombes, on a tout ce qu'il faut pour faire le cocktail, on est bon. Ah, oh, j'avais même pas vu. C'est une calculatrice! On! Ah oui, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Et j'ai même plusieurs bombes si jamais c'est nécessaire. Attention, on s'éloigne, ça va péter! Wendell, reste pas dessus! Adieu, Wendell! Oh là là. Science. Ok. Déposer les ingrédients dans le taille crayon javamatique. Ok, donc ça, faut monter. Le taille crayon javamatique.
Ouais, du coup, ce câble pour monter. S'il y a besoin, j'ai encore une bombe. Hein. J'hésiterai pas à m'en servir. Comment on récupère la... Ah, peut-être en sautant de pilote dessus. Récupérer la science. Du coup, il a bricolé vraiment quand même avec ce qu'il avait. Hein, je veux dire, cafetière, taille crayon. Moi, je marche sur le circuit imprimé comme ça au calme, mais... On a tout! Utilisez le jeu amatique pour préparer le cocktail agrandissant. Yeah! Assuming all goes to plan, of course. And you're old enough to comply with any labor laws. Science! Découverte, le chef amatique. Ok, faut appuyer sur on. Allons appuyer sur on. Hey, coucou Isopers, comment ça va? On appuie sur on. Let's go. Cinématique. Évidemment que ça fonctionne pas. Ah, abuse, Wendell. Wendell, bordel, j'avais foi en toi, moi. Il y a rien qui fonctionne dans ce jardin. J'avoue, il y a rien qui fonctionne. Bah pour redescendre, en tout cas, c'est pratique. Elle est fourmi! Non, mais les fourmis, elles tapent tout. Je peux les analyser, celles-là, du coup? Non, pas du tout. Ça ne s'analyse pas, ok. Aïe! C'est moi ou Wendell, il vient de me taper dessus en fait là? Wendell? Ça serait bien par contre qu'il évite de me taper dessus. Ce serait pas une sorte de puce de contrôle en fait qu'ils sont. Putain, Wendell. Je vais te tuer en fait. Mais il est dangereux, ce con! Ne jamais faire confiance à une tête dans un bocal. Ok, je les répare comment? Oh non, il va me falloir un outil de réparation, c'est ça. Genre l'outil que j'ai chez moi pour réparer mon sol quand ça casse et tout ça, et que je n'ai pas du tout. Ici, actuellement. Ah, Wendell, t'abuses. T'aurais pas pu le dire avant qu'il fallait... Je pense, hein, c'est ça qu'il me faut, non? On va se mettre un petit bandage. Hein. Bon, bah faut retourner à la maison, je pense. Parce que j'ai outil de réparation. Pop, 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 pop. Dans quoi, ça, déjà? Non, c'est dans les armes, non, les outils? Ça, c'est le gourdin.
Ouais, outil de réparation. Oui, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour en faire un là maintenant. Bah non, bah écoutez, faut retourner jusqu'à la maison, aller chercher ça, je crois. Par contre, il est dangereux lui s'il me tape, hein. C'est les ennemis qu'il faut taper là avec ces poules électriques. C'est pas moi qu'il faut taper, hein. Que de violence dans ce jeu. Bon. C'est dommage, j'avais tout, hein, j'avais tout bien préparé, on avait le cocktail, on avait tout ce qu'il faut. Eh ben non, il me manque encore quelque chose. Oh, mince, attendez, j'aurais dû... Oh, tant pis. J'aurais dû aller récupérer de la pomme de pin. Pour faire le frigo. Je sais où est-ce qu'il y en a, de la pomme de pin. Tant pis. On va chercher l'outil de réparation et on ira chercher la pomme de pin. Bah ouais, autant faire le frigo vu qu'on peut le faire. Ça serait dommage de s'en priver, moi j'ai envie de dire. Bon, du coup, on répare le bidule et c'est bon, fin du jeu? Non, on répare. Bah, de toute façon, si on répare, et puis c'est bon, fin du jeu, non? À un moment, faut finir le jeu quand même! Non? On le finit pas, on reste dessus jusqu'à la fin de nos jours. Normalement, oui. Ouais, on est d'accord, hein, normalement, oui. Réparation et on rentre à la maison. Hein. Bon, après, il y a plein de trucs annexes qu'on n'a pas fait. Hop. On remplit la gourde, hein, tant qu'on y est. Ça fait pas de mal. Alors, mon outil de réparation, il est où? Je pensais pas que je m'en servirais ailleurs que chez moi de ce truc, hein. Et où est-ce qu'il est d'ailleurs? Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Il est là. Sinon, le reste des ongles, ça on peut poser, ça on peut poser, ça on peut poser. Allez, on y retourne. Parce qu'on aime bien faire des allers-retours. Non, c'est pas par là en plus. Moi, c'est. Pas encore fini, Sophie. Mais si, fini, mais si, mais si. Le jeu est long. Bah, le jeu est long, ouais, ça y a pas à dire. J'ai quand même plus de 30 heures de jeu dessus, là, actuellement. Bon, après, j'ai farmé un petit peu hors live, mais déjà, on est... Mais chut, toi! Mais déjà, rien qu'en live, on est déjà à pas mal d'heures, je crois, quand même. Faut penser à dératiser le jardin. Il n'y a pas de rat dans le jardin, donc on va pas le dératiser. Par contre, un petit coup d'insecticide, ça fera pas de mal. Surtout sur la veuve noire qui est sous le cabanon. La veuve noire sous le cabanon, moi je dis faut un petit coup d'insecticide, ça ferait pas de mal. Ouais. Pas arachnophobe, mais je suis pas non plus une grande amoureuse des araignées, faut pas abuser. Je les aime pas. Et la veuve noire, je l'aime encore moins. Allez, rebelote. Et j'espère que c'est bien ça, par contre. Parce que si c'est pas ça, je vois pas comment est-ce que je le répare. Hein. Je joue en quelle difficulté? Je suis en normal. Excusez-moi. Non, mais pareil, vous les formez. Le classique, normal, c'est bien. Après, je suis en solo quand même, donc... Je vais pas partir sur du Veilleryard en solo. Déjà, rien qu'en normal, je veux pas dire, mais le jeu, il est pas facile, hein. On a quand même quelques morts à notre actif, là.
Il est quand même violent, hein? Tu veux pas bouger, toi, de là? Alors, non, tu ne fuis pas. Tu ne m'attaques pas pour ensuite te barrer quand t'es quasiment morte. Oh, ce ratage! Alors là, comment j'étais complètement à côté? Ça, c'est... Voilà. Il faut savoir viser. Et là, j'étais totalement à côté. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je peux réparer, s'il vous plaît? Est-ce qu'elles sont chiantes, ces fourmis? Je disais donc. Est-ce que je peux voir si je peux réparer avec ça? Ouais, ça fonctionne. Voilà. En vrai, impitoyable, il reste jouable. Ouais. Bah, faut être motivé quand même, je pense. Après, qui sait, peut-être qu'un jour je le ferai avec une autre difficulté. Hein. Parler avec le docteur Tully au Javamatic. Faut remonter, c'est ça? Faut remonter. Faut remonter. Attendez, non, 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 avant, je cherchais les pommes de pin. J'ai dit que j'allais chercher les pommes de pin. Parce que sinon, je vais oublier. Je vais totalement oublier. Donc, allons chercher de la pomme de pin. Ça devrait être dans le coin qu'il y en a une. Ouais, c'est derrière le truc rose. Voilà, pomme de pin en vue! Mais mange tranquille, je t'ai rien demandé! Je crois qu'il y a une fourmi dans le tournevis. Je suis quasiment sûre d'avoir vu une fourmi dans ce tournevis. C'est bon, laissez-moi tranquille. Ah, on se fait beaucoup trop agresser par contre. Hein. Moi, je fais juste ma vie tranquille. Là, elle était tranquille. C'est pas une hache qu'il faut. C'est la masse. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai quoi. Moi, je fais tranquillement ma vie. Elle était tranquillement en train de manger. Je passe à côté, elle m'agresse. Il y a trop d'agression dans ce jeu. Ouais, il y en a une autre là-bas. Non, je suis tombée. Je voulais juste une petite goutte d'eau, moi. Un petit peu d'eau. Voilà, merci, c'est gentil. Je veux juste cette petite pomme de pin. Petite pomme de pin. Ok. Bon, normalement, c'est largement suffisant pour faire notre frigo. De toute façon, tu veux m'attaquer. Bah, évidemment que tu m'attaques. Bah, tu sais quoi, je vais te voler et je vais te tuer et je vais te voler ta pomme. Arrête de fuir. Comment ça t'as pas pris ta flèche? Et maintenant c'est une larve qui vient embêter. Oh, calme-toi. Mais tu fais mal toi! Beaucoup trop de violence. C'est quoi? C'est la hache ou c'est... Ouais, c'est la hache qu'il me faut pour ça. H, H, H. Juste les bouts de pommes, pas la vie, la nourriture pourrie.
C'est pour manger tout de suite. Ouais, bah, allez, ça va, c'est des bouts de pommes frais. Va pas me dire que c'est dégueulasse. Tu manges un puceron, je veux bien. Que tu fasses des bruits comme ça, en mode c'est pas bon, mais il faut le manger parce que. Parce qu'il faut survivre. Mais là, c'est de la pomme. Elle exagère quand même, de la pomme. Attendez, non, c'est pas par là qu'on monte. C'est pas par là, ça c'est juste une batterie. On va peut-être éviter de monter sur une batterie d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu dangereux. Pas sûr que ce soit une très bonne idée de monter sur une batterie. Après, ce n'est que mon avis. Alors. Comme ça, là, j'ai pas trop envie de passer dessus, hein. Ça fait des étincelles. On esquive, hein. Restons bien sur la partie plastique. Miaou! Miaou, miaou. Ok. Regardez son état, le Javamatic de Trudy. La garantie sera nulle. Ok. Subterfuge, destruction irréfléchie de l'appareil, quel manque total de respect pour la science d'autrui. Tout cela sent le schmecteur à plein nez. Oh, sabotage! Je dois vous avertir. Le processus de fusion pour le cocktail agrandissant est assez bruyant. Il va continuer à attirer l'attention de la petite armée du directeur. Et il faudra du temps pour le préparer, j'en ai peur. Nous allons devoir défendre ces modules Mix-R aussi longtemps que nécessaire. Si les orques les détruisent, ils vont détruire tout le système. On peut soit commencer, soit nous devons construire des défenses. Il faut faire... construire des défenses. Une suggestion prudente. Des structures défensives assez solides autour des points faibles du Java Matic pourraient nous faire gagner le temps nécessaire. J'ai une installation de stockage pas loin d'ici qui devrait être utile... dans cette entreprise. Je marquerai son emplacement sur votre SCAB. Il se peut que ça prenne un peu plus de temps pour que vous... Il se peut que ça prenne un peu plus de temps pour vous ramener chez vous, mais la sécurité avant tout, comme je dis toujours. Que faire au sujet des orques? Si nous pouvons trouver d'où ils viennent, nous pourrions découvrir un moyen de les arrêter. Mais ouf! Vous avez la moindre idée d'où viennent les orques? Ils sont une création dominante. Je pense qu'ils ont une sorte d'installation cachée dans le jardin. Si vous pouvez le localiser, je pense que je peux nous faire entrer. Où pensez-vous que se trouve cette installation? Je me demande si... Non, ça ne peut pas être ça. Peut-être l'a-t-il caché dans le... Non, c'est beaucoup trop évident. Chut, je suis en train de réfléchir. Peut-être juste... Peut-être qu'il l'a caché derrière le... Absolument. Qui, dans son bon sens, voudrait construire un laboratoire ici? Ne rien dire. C'est ça, attendez, non. C'est peut-être pas ça. Il sait ou il sait pas, en fait? J'en ai aucune idée de l'endroit où il se trouve, désolé. Merci pour ce dialogue. commençons. Est-ce qu'il faut vraiment mettre... Commençons. On devait pas faire des défenses. Attends, je peux pas... T'es pas censé me montrer... Non, bah, faut que je mette commençons, je crois. Alors, ouais, on peut rien, tiens. Attention, ouais, ça.
orcs destroy them, they'll take down the entire system. For science! Un bâtiment de stockage, ok. D'accord. Ouais, donc je m'y attendais un peu. Le bâtiment de stockage, en fait, il est juste en dessous. C'est là où je voulais rentrer tout à l'heure. Chocobo! Chocobo, 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 bo, bo. Par contre, en plus, il fait nuit.